C'est ceux de vendredi. De vendredi matin, de bonne vendredi heure. Matin. De bonne heure, il était 6 heures. Oui, la première fois qu'on les a trouvés, ils étaient comme ça, tous les quatre. De mémoire d'ostréiculteur, on n'avait jamais vu ça. En une semaine, pas moins de 6 dauphins ont été retrouvés morts le long de la côte de Saint-Vallaoue. 4 d'un coup, plus le lendemain, un autre. Ici, juste derrière. Que, habituellement, bah, qu'il n'y a pas d'algues, qu'il n'y a rien, donc il n'y a rien pour se nourrir. Donc il doit y avoir, c'est au niveau du comportement, quoi. Bah, sensoriel. Bah, on trouve ça vachement surprenant. Parce que même pour des gens là, qui travaillent avec nous, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là, ils ont jamais vu ça, quoi. Les cétacés ont été retrouvés sans vie, pris au piège sous les tables des parcs à huîtres. Ils seraient morts après que la marée soit redescendue. Tous les dauphins ne sont pas de la même espèce. Il s'agit ici de grands dauphins et de dauphins communs, des mammifères dont le comportement a changé. Ça fait quelques mois qu'on... personne ne voyait de dauphins, enfin si, mais au large. Et là, ils arrivent au bord. Comme il y a plus de 2 ou 3 mois, il y en avait 4 dans le port. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. On verra bien, mais... on attend l'avis des spécialistes. Les scientifiques de l'observatoire Pélagis ont effectué des autopsies. Les premiers résultats montrent que les dauphins étaient en bonne santé et nourris. La piste accidentelle est donc privilégiée. Ce phénomène de dauphins échoués resterait donc exceptionnel.